Nous sommes le 29 août. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer. Mais ça, pour le moment, elle n'en sait rien. Pour elle, la vie tranquille suit son cours parmi ses collègues et les habitués du café. Elle, c'est Suzanne, la patronne. Elle boite un peu, mais elle n'a jamais renversé un verre. Quand elle était jeune, elle était danseuse équestre à Medrano. Mme Suzanne. Oui. Dans les endives au gratin, à tous les coups, il y a de la béchamel. Bah oui, alors. Je la digère pas, moi, la béchamel. Ça me fait que... C'est comme vous, un peu la viande de cheval. Mais moi, c'est pas une question de digestion. C'est une question de souvenir. Je préférerais cuisiner de la viande humaine. Bah non, quand même pas. On voit bien que vous n'avez pas connu le grand amour, vous. Si je l'avais pas connu, on m'aurait pas raccourci la jambe droite. Ah ben, je crois que c'est un accident de cheval quand vous étiez à Medrano. Oui, justement, j'étais amoureuse d'un trapéziste. J'aurais dû me méfier parce que les trapézistes, ça vous lâche au dernier moment. 16h17. Près du chameau. Arrête ! Il y a mes plaques qui recommencent, tiens ! Voilà, regardez, madame Suzanne, il y a mes plaques qui me recommencent ! Il va me rendre dingue, lui ! Vous allez pas remettre ça, hein ? Si elle avait la conscience tranquille, elle se mettrait pas dans un état pareil. Mais, oh, j'en peux plus rentrer chez moi, madame Suzanne ! Georgette, mais vous avez fini de les étouffer comme ça? Une femme, il faut que ça respire. C'est ça, on commence par vouloir respirer, et puis après, on veut changer d'air. Ah bah oui, mais changer d'air, c'est salutaire. Bah, Arlette s'est barrée, voilà. Une semaine pour réfléchir. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Un peu, allez, fais-moi plaisir, ne prends pas les choses au tragique comme ça. T'as pas trongé les sangs toute la soirée avec cette histoire. T'as pas un caractère facile, faut le reconnaître. Elle en a eu marre, elle prend une semaine de vacances, ça va lui faire du bien. Elle va respirer un peu. Il faut que ça respire, une femme, tu sais. Ça te fait pas plaisir, tu fais une drôle de tête. Surprise. Oui, voilà, je suis surprise, non, mais... Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens, j'ai toujours vécu avec des chiens. Je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, alors là, vous serez vraiment surprise. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais. Oui, yeah, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais ça peut sembler idiot ce que je dis, mais personne ne m'a aimé, personne ne m'a comprise comme Freddy. Et quand il est mort à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Oui, voilà. J'ai déménagé. Ah, c'est bien de le reconnaître, hein.